Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de la semaine. Je vais essayer de vlogger toute cette semaine, en tout cas du mieux que je peux. Nous sommes actuellement dimanche 27. Il est actuellement 23h22. Voilà. Donc là, je vais me démaquiller parce que j'ai filmé une vidéo. Normalement, je vous ai mis une vidéo en ligne. Voilà, je fais des petites photos. Donc allez vous abonner sur mon Instagram. Je poste pas mal de photos. Donc vous pouvez aller vous abonner. Demain, j'ai mes examens grands. Jusqu'à mercredi, je sais pas trop ce que je vais vous montrer, mais bref, on verra. Là, je vais me démaquiller. Pour me démaquiller, je vais commencer avec une huile de chez Nivea, voilà. Et je l'ai pris sur Amazon, je sais plus le prix, mais voilà. Je crois que je coupe ça comme ça, là. Je ressemble à un monstre. Du coup, je vais prendre le gant pour enlever le surplus. Je vais en prendre d'autres gouttes et je vais remettre l'huile dessus parce qu'à ce qu'il en est vraiment moins fin de teint. Du coup là ce que je vais faire c'est laver mon visage à l'eau avec mon savon habituel, c'est celui de Cadom. Voilà. Du coup, regardez la troisième couche. Hein. On en a tellement. Ça, je vais prendre ce gel là, c'est un gel moussant que je vais appliquer sur mon visage. Du coup là c'est bon, ma bouche est hydratée, mon visage est propre. Je vais aller me coucher. Bonjour, du coup nous sommes le lundi 28 février aujourd'hui. Et je viens littéralement de me lever, il est 7h45. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me laver le visage, je vais faire un masque. Et je vais aller faire du sport. Je vais commencer aujourd'hui ma première séance d'abdos. J'ai pas de tapis de sport, voilà. Sachant que je t'avais des abdos et tout. Mais c'était pas grave. Et hier, j'ai utilisé cette tête pour laver le visage. Aujourd'hui, je vais utiliser une autre, celui-ci. Là, je suis vraiment sûre que mon visage est propre. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ce masque-là. Une fois terminé, je vais aller faire mon sport. Je mets dans les conditions. Voilà. En fait, c'était un petit échauffement histoire de comme, dire à mon corps que tu vas commencer, tu vas rentrer dans le milieu sport. Mais je suis fatiguée et je me rends compte que je ne sais pas faire des abdos. Je ne sais pas faire des abdos. C'est grave quand même, c'est très grave. Bref, en tout cas, voilà, je vais me toucher. Monsieur va nous faire des omelettes, des œufs. Pour que je puisse avoir de la force. Tu vas tomber, toi. Tu dors pas? Pourquoi tu dors pas? Je me suis habillée, j'ai mis un petit col roulé comme ça, un pantalon, mes chaussures. Donc ça c'est des Pumas. Avec à la main un sandwich que mon bébé m'a fait. Donc voilà. C'est tout, je vais en cours. Du coup les gars, là j'ai totalement fini les cours, il est 17h30. Je vais récupérer mon fils chez la nounou. Elle habite à deux pas de chez moi, donc ça tombe très bien.
Du coup là j'ai récupéré mon fils, il est là. On attend son papa parce que en fait j'allais partir à pied et il m'a appelé pour me dire que bah, il était à côté. Donc là j'attends, on va rentrer en voiture. En deux minutes on est chez nous. Donc voilà, voilà, voilà. Adieu, il y a papa. Papa. Papa il est là. Il est là papa. Ouais, on va rentrer à la maison. L'éducation et beaucoup de culture aussi. Il m'a emmené au musée, il m'a emmené au cinéma, il avait toujours à manger. Et maintenant que moi je suis chez moi toute seule, franchement il n'y a jamais rien dans le frigo, j'arrive pas à faire mes lessives dans l'ordre, etc. Donc c'est des petites choses. Du coup les gars, là nous sommes rentrés, moi je suis dans la cuisine, la place de la femme c'est la cuisine. Je rigole, j'avais envie de manger du poisson, du coup là je suis en train de faire la soupe aux pêcheurs. Là il y a du poisson avec du crabe et juste là il y a les ingrédients qui vont avec, genre là il y a de l'oignon, tomate, aubergine, gombo et une carotte. Voilà qui se présente aussi, du coup j'aurais besoin de cubes, tout ça, bref. C'est parti, je vais faire à manger. Mon chéri s'occupe de son fils, voilà, s'occupe de son bébé. La journée elle était très basique, genre j'étais absolument pas prête moralement pour l'école. Mon examen blanc, je pense que je l'ai littéralement raté. C'est ça quand je réalise pas, mais bon. C'est un examen blanc, on verra le vrai. J'ai juste hâte, c'est de prendre mon diplôme, travailler et je n'en parle plus de l'école. Je n'en peux plus de l'école. Regarde-moi cette soupe qui va être trop bonne. La transformation. Du coup là c'est prêt, j'ai fait un peu joli pour vous montrer, hein, croyez pas. Et du poisson, du crabe et tout. Bon appétit à moi. Du coup les gars, nous sommes mardi aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de vlogger ce matin parce que j'étais très occupée. Je me suis réveillée un peu tard, là il est 8h, c'est maintenant que je pars en cours. Après ça va, je commence à 8h15, j'ai 10 minutes de marche, donc ça va le faire. Mon copain il a déposé le petit chez la nounou, moi je vais en cours. L'école c'était de la merde, je sais pas pourquoi je vais à l'école, franchement j'en ai marre, je veux de l'argent maintenant, c'est bon, je veux de la money, des sauces, tout ce que tu veux. Donc là je vais me couper, je sais même pas, genre je vais le couper comme ça. Je sais juste que mes cheveux vont trop pousser, ça me saoule là. Donc je vais le couper, mais je sais pas si je fais comme couleur ou si je reviens en noir, je ne sais rien du tout. Voilà, c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et mon visage il a changé, hein. Qui m'a dit de faire cette coupe? Bref, mon visage il est bien gonflé, j'ai bien dormi. Donc hier, après, chez le coiffeur, je suis rentrée à la maison tranquille. Mon fils, il n'est pas là, il a chez ses grands-parents. Et j'ai rien fait de ouf, hein. J'ai mangé, je me suis posée, j'ai regardé la télé avec mon chéri, tout ça. Et ce matin, je vais en cours. Voilà, nous sommes mercredi aujourd'hui. Genre, mes cheveux sont trop courts, là. Mais c'est ce que je voulais, comme ça, je vais poser mes perruques tranquille. Là, je serai dans ma période perruque. Hello, les gars! Nouvelle coupe et des lunettes. Oui, je suis rentrée dans la team myope, pas encore. C'est juste des lunettes pour pouvoir voir de l'eau. J'ai pas pu vlogger ma journée d'hier, donc jeudi, parce qu'il n'y avait rien à faire. Genre, c'était toujours, c'était tous les jours les mêmes choses, aller en cours, revenir, faire à manger, regarder la télé. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est le week-end, alléluia. J'ai fini les cours et tout à 17h, je suis allée chercher mes colis. Que voici, et voici. Donc là j'ai un colis Amazon, normalement il y a un tapis de sport dedans, donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est parti. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Oui, il y allait avoir un sac, mais pas du tout. Du coup c'est un colis comme ça. Voilà, sur un tapis comme ceci. Il est assez large, hein. Il fait combien de... Il fait 70 cm. C'est pas mal. En tout cas, voilà, pour mon sport du matin. Mon deuxième colis, c'est un colis Asos. Bah, il y a des vêtements, voilà, Asos. Comme ceci.
J'ai vérifié normalement, il y a tous les collègues qui devaient être. Voilà, je suis en train de faire à manger, je fais de la chipie. Avec du poisson et de la loco pour ceux qui connaissent, c'est de la banane plantain, grillon d'huile. Et voilà, c'est tout. On va manger et voilà. Donc demain, j'ai pas mal de choses à faire ce week-end. Normalement, je suis prise, mais de ouf, je vais à l'hôtel avec mes potes. Là, je vais rejoindre ma copine au centre commercial pour acheter des maillots. Parce qu'il y a un jacuzzi à l'hôtel où on part. Et voilà quoi. Je sais pas si je vais trouver un maillot parce que c'est vraiment pas la période. Donc je croise les doigts. Et là j'ai mon bus là qui va passer. Il faut être dépêche. Là c'est parti, on va au Tello. Destination, la destination. J'ai une putain de story à vous raconter. Vous savez pas ce qui s'est passé? Vous savez alors pas là, alors là. Bref, affaire à suivre. Je vais laisser mon bébé pendant un jour. J'ai trop le seum. Un peu là. L'escalier et tout et tout. Ça c'est le couloir de notre chambre. Yeah, go. Ça. Trois chambres, juste ici. Aïe. Appelez les polices. Du coup, là, on va se poser, on va dormir une heure. Et après, bon, on va se préparer et on va aller manger. Après, on va au spa. Ah oui, attention, quand même. Mais attendez, on revient. On fera des frappes. On revient. Du coup, les gars, là, nous sommes sortis du lit. Je me suis douchée, mes copines aussi. Et du coup, là, on est en train de s'apprêter. Je vais mettre une perruque. Voilà. Ma pote est en train de mettre sa perruque. On va s'apprêter là et vous allez voir le résultat final. Il va filmer quelques trucs, mais vas-y, pas trop. Voilà. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure quand je serai BG. Il y a une alarme incendie. Elles sont en train de se préparer tranquille. Moi, je suis pas tranquille là. Je suis pas tranquille. Oh putain. Attendez. Moi, je vais descendre. Bon, je vois ce qui se passe. Du coup, je suis descendue et tout. Et en fait, c'est une fausse alarme. Donc voilà, moi, je continue à me préparer. Je vous aime. Du coup, là, je place ma pépé. Tout. Pas constant. Nous avons totalement terminé, nous sommes prêtes. J'ai mis une robe comme ceci. Bien sexy. Et tu montes ta robe. La baby mama. Et toi, passe devant. Là on va au resto, il se trouve là, c'est juste en bas de l'immeuble. Oh, mes copines elles sont trop belles. Aïe. Hey baby mama, t'es sexy. Allez, le restaurant il est comme ça. Là nous sommes installés, on a pris les boissons. Ma copine, baby mama, Du coup, voilà, on prend l'apéro tranquillement. Voilà. Je fais pas, non? Bélec. Et du coup, là, ce sont les plats. Moi, j'ai pris côte de bœuf, voilà, avec des frites et de la sauce vin. Ma copine, elle a pris ce plat-là. Arrête! Elle pense ne pas aimer, mais bon. Elle est ma copine. C'est gros, c'est ma copine. Bref, on va trop bien manger. Là, c'est le dessert. J'ai pris une crème brûlée pour changer.
Et une copieuse. Vous voyez comment elle copie. Elle prend que... elle prend que mes trucs. Mais bon, c'est trop bon à skip. Je vais goûter. Je crois qu'on va goûter ça, là. On va donner une note au chef. Franchement, ça a l'air. Le dessert, c'est vrai que j'ai recopié. Elle est délicieuse. Trop bon. C'est trop bon. Et en fait, tout est trop bon. Je meurs. J'adore ma vie. Je mets un 10 sur 10. 20 sur 20. On va pas gaspiller pour rien. Ah ça? Et j'aime ma vie. Je suis bien contente de payer ce que je mange. C'est trop bon. Pardon, c'est bon. Me tuer celle-là, avec que je finisse son dessert. Et c'est parti. Direction le spa. Direction le spa. Donc elle a fini, franchement c'était trop bien, on n'a même pas payé les boissons. Ouais, trop on gentil. Nous a offert. Franchement, ouais, je le recommande, hein. Je vous mettrai le nom du resto, vraiment. Ouh. Oui. On va bouger nos culs là. Franchement on a trop bien mangé, nous sommes... Trop bien. Du coup là on va dans le jacuzzi. Hey voilà. Chou. Ça sent déjà. Ouais. Il y a un petit coin comme ça. Waouh. C'est privatisé, s'il vous plaît. Regardez. Le jacuzzi. Hammam tranquille. La douche. Un petit peu des grimaces de tout à l'heure. Oh, mais trop génial. C'est comme ça la vie est douce. Trop chaud là. Oh là là. Trop bien. Franchement, on kiffe notre vie. On kiffe à mort. C'est trop bien. C'est trop bien. Elle vivait à manger la vie. Ça fait du bien. On a terminé. On va aller se doucher, se remaquiller pour prendre des photos. Oui. Admirer la beauté de la petite Naou. Ouais. Ah là là. Attendez, je vous montre bien comme il faut là. Du coup là les gars, on a fini notre shooting, si on peut appeler ça comme ça. Il est 2h du matin, on va s'allonger. Et j'ai vraiment ces deux grosses là-bas. Allez. J'ai supporté ça hein, pendant une nuit. Mon fils il me manque, mon chéri il me manque trop. Je suis rentrée chez moi. Genre je vais passer un putain de bon moment et tout, mais il me manque trop, genre vraiment. Donc j'ai hâte d'être à demain. Je vais vous dire bonne nuit et je vous dis à demain. On va descendre prendre le petit déj. Petit salon. Là il y a un petit bar. Une petite cuisine là. Vous allez boire du café? Chocolat. Chocolat, c'est pour les petits déj. Il y a du pain. Là, j'ai pris un café au lait. Moi, j'ai pas envie de partir personnellement.
On a fini de prendre le petit déj. On va faire les valises pour rentrer chez nous. Salut. Nous sommes tristes. En tout cas, c'était trop bien. Je vais retrouver mon bébé et mon chéri. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.